Hey, bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale association. Et donc, on va parler de l'association Un enfant par la main. Un enfant par la main, j'en ai déjà parlé un peu sur une de mes vidéos sur cette association. Voilà. Et là, en fait, on va faire le tour un peu du site de l'association. Donc là, ça y est, nous sommes sur le site. Et vous voyez, en plein écran, là, nous sommes en page d'accueil et nous voyons directement parrainer un enfant, c'est lui garantir une scolarité. Donc voilà, donc ça va leur permettre d'avoir une école. C'est très important. Donc on va faire le tour et allez, je clique sur je découvre ou parrainer un enfant. Voilà, en ce moment, les enfants au Vietnam ont besoin de votre aide. Je parraine un enfant au Vietnam. Voilà, je clique. Vous voyez là, rejoignez nos 1171 parrains et marraines. 25 euros par mois. Donc vous pouvez donner 25 euros par mois pour cet enfant, pour ces enfants-là. Parrainer un enfant vietnam pour lui permettre de bien grandir, c'est important. Améliorer les conditions de vie d'un enfant vietnamien au sein de son village. De 0 à 5 ans, prendre soin de des tout petits. Près de 20,2% des jeunes enfants vietnamiens au moins de 5 ans souffrent d'insuffisance pondérale. Voilà. À travers nos programmes de parrainage, nous mettons tout en œuvre pour que les tout petits puissent s'épanouir tout en étant en bonne santé. Voilà. Vous voyez, il y a aussi de 6 à 14 ans, veillez à l'éducation de chaque enfant. Donc ça, je vais vous laisser regarder quand même, hein, c'est important. Donc on va pas s'éterniser là-dessus. Hein. D'ailleurs, je mettrai le lien du site de cette association. Voilà, là, à travers les financements des parrainages, donc de 6 à 14 ans, nous contribuons aux charges scolaires des enfants. Nous équipons les écoles et développons de nouveaux guides pédagogiques pour améliorer la qualité de l'éducation. Voilà. Et il y a aussi de 15 à 18 ans, augmenter les capacités des jeunes à devenir autonomes. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas assez autonomes et on peut leur acheter des véhicules ou des vélos. Voilà. Et donc, pour information, quand vous parrainez un enfant, donc vous êtes parrain d'un de ces enfants et vous recevez aussi des photos de l'enfant que vous parrainez. Et c'est vraiment très très bien d'avoir fait ça. Donc vous donnez de l'argent, mais voilà, vous avez des nouvelles de cet enfant. S'il va bien, voilà, s'il s'épanouit, etc. dans son pays. Donc, pour information, c'est 25 euros par mois pour aider un enfant et sa famille. Et vous voyez là, il y a plusieurs pays donc, où on peut parrainer un enfant en Inde, Vietnam, Éthiopie, Haïti, Madagascar, Sénégal, Équateur, Cambodge, Bolivie, Kenya, au Brésil, au Honduras, Guatemala, Mexique et Sri Lanka. Voilà, voilà. Vous voyez, il y en a plusieurs, hein, vous voyez. Et Indonésie et aux Philippines. Et du coup, on va passer aux données pour un projet. Voilà. Donc pour information, hein, il y a des villages où ils n'ont pas de sport, etc. Donc ce site permet aussi de donner un projet pour leur donner et construire une équipe de rugby, de foot ou quoi que ce soit. Voilà. Donc le projet à soutenir, donc vous voyez là, ils ont préparé. Donc au Sénégal, le biogaz pour une énergie alternative. Voilà. Du coup, on va aller en arrière. Donc Haïti, les nouvelles cultures pour les meilleures alimentations. Haïti, une nouvelle toiture d'école pour de meilleures conditions. Au Vietnam, pour avoir une nouvelle génération de leaders. Je ne sais pas c'est quoi ça par contre. On va aller voir. Donateurs, il n'y en a que 7 hein, malheureusement.
Donc une jeunesse exponentielle de défavorisés en Asie. Sheldon Alliance, au réseau international de ONG auquel appartient un enfant par la main, aide plus de 14 millions d'enfants et leurs familles dans près de 60 pays. Pas mal. Pourquoi l'Asie? 60% des jeunes dans le monde âgés entre 10 et 24 ans vivent en Asie. Voilà. On va pas s'éterniser un peu là-dessus, mais voilà. Donc, en Inde, électrification des 400 dédiés aux enfants et aux familles. Haïti, construire des toilettes pour l'école Barbe. Sénégal, donner une identité et un enfant. Donc voilà, vous pouvez donner de l'argent pour ces différents projets. Au Madagascar, deux salles de classe pour l'école en Saon Job. Vous pouvez donner aussi un fonds pour les meilleurs accès à l'eau. Voilà. En Afrique, hein, ils n'ont pas souvent accès à l'eau, donc on peut les aider. Fonds pour les nutrition des enfants. Haïti, l'installation et équipement d'une banque de livres pour les enfants de l'école Damier. Fonds d'urgence pour les enfants. Fonds d'éducation pour les enfants. Fonds de santé pour les enfants. Cambodge. Rénovation des classes de l'école primaire de Préco. Voilà. À savoir aussi, j'ai un Tipeee. Donc je mets ici le lien. Vous pouvez aussi participer grâce à mon Tipeee. Vous pouvez participer gratuitement. Tac. On va aller directement. Ah, Tipeee. Hop là. Voilà. Là, vous allez voir. Tipeee. Là, vous pouvez soutenir Sangario. Là, c'est gratuit. Vous pouvez regarder 3 vidéos. Hop. Voilà, se connecter et vous pouvez voir 3 vidéos. 3 vidéos, ça va permettre de gagner 3 centimes par vidéo ou 6 centimes par vidéo. Donc si vous êtes plusieurs, ça va me permettre d'avoir beaucoup d'argent pour participer à cette association. Donc aidez-nous à faire avancer cette association. Voilà, voilà. Allez, on repart. Donc cette fois-ci, nous allons offrir un cadeau. Donc vous pouvez offrir un cadeau à des enfants. J'offrirai un kit de naissance. Donc c'est marqué 28 € le kit de naissance. Donc on peut offrir. Donc j'offre ce cadeau maintenant. Et voilà, ça va leur permettre d'avoir justement un kit de naissance pour une famille, pour leur bébé. Donc c'est vraiment bien, moi j'adore ça. 206 cadeaux offerts déjà. Donc c'est pas mal. 794 cadeaux restants à offrir. Donc allez-y, franchement ça peut les aider. Si vous faites, dites-moi en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir que un de vous, grâce à cette vidéo, puisse offrir un cadeau pour ses enfants. Donc on peut kit de naissance pour prendre soin de tout petit, une chèvre pour faire le plein de calcium au Sénégal, une cape de pluie et des chaussures pour affronter la pluie à Madagascar. On peut offrir un vélo pour reprendre le chemin de l'école en Inde. À savoir en Inde, beaucoup d'enfants vivent très loin des écoles. Et il faut aller en ville. Et il y en a qui marchent au moins 300-400 km à pied. Et donc ce vélo-là va permettre de leur faire déplacer jusqu'en ville. Donc important, important, important. Ça coûte combien d'ailleurs? 78 € le vélo. Voilà. Voilà. Les jeunes filles et garçons pourront améliorer leur performance scolaire en réduisant leur temps de trajet vers l'école ou les cours de soutien. 70% des vélos seront distribués aux jeunes filles et ne seront pas obligées d'abandonner leurs études au collège. Voilà. Alors, on peut offrir quoi? Moustiquaire pour protéger du paludisme
au Kenya, des kits scolaires pour les enfants en Haïti, une lampe scolaire pour les enfants en Cambodge, une machine à coudre pour se former en Inde, un filtre à eau pour une école au Vietnam, un kit pédagogique pour les enseignants en Haïti. Voilà, voilà. C'est pas mal. Donc voilà, offrir ces cadeaux permet de d'améliorer leur conditions de vie et c'est très important. Alors, aider autrement. Donc vous pouvez agir pour aider les enfants démunis, impliquer votre entreprise, devenez bénévole, mobilisez votre école, autant de possibilités à s'engager. Donc pour l'instant je ne suis pas bénévole, mais voilà, j'ai parlé un peu avec une des personnes et ils sont prêts à me prendre. Donc si vous voulez devenir bénévole, donc il y a un formulaire de bénévolat, remplissez ce formulaire ci-dessous. Donc civiliser, voilà, monsieur, nom Sangariou, voilà, prénom Sangariou. Voilà, je suis un particulier, étudiant et entreprise par un donateur, autre, voilà, etc. etc. Donc j'accepterai de recevoir des informations par mail, adresse postale. Et vous pouvez choisir aussi, normalement, vous avez une marraine pour vous. Une marraine pour vous aider dans ces démarches-là. Votre motivation à devenir bénévole, etc. Donc vous faites comme une lettre de motivation, etc. Voilà, voilà, votre disponibilité, nombre d'heures par semaine, jour particulier, etc. N'hésitez pas à préciser à quelle manière vous avez connu et message libre pour leur préciser quelques trucs. Voilà, nos pays d'intervention au Mexique, etc. Voilà, donc vous voyez là il y a vraiment la carte et on voit directement Madagascar, le Cambodge, les Philippines, l'Indonésie, il y a même Madagascar, attends, Sénégal, et là Liban aussi, je savais même pas en Liban. Et vous pouvez consulter leur foire aux questions si vous voulez avoir plus d'informations, allez-y. Donc le site ça sera en description, donc allez-y. De toute façon là sur chaque vidéo je mets les associations que je veux participer, comme un enfant par la main, un enfant en Asie et les restos du cœur. Voilà, donc allez-y. Et je pense on a fait un peu le tour. Voilà, on a fait un peu le tour. Donc allez-y. Et pour aider, je vais répéter encore, pour si vous voulez aider gratuitement parce que vous n'avez pas les moyens, etc., venez sur mon Tipeee tous les jours. Regardez une vidéo ou trois vidéos par jour, c'est 3 centimes ou 6 centimes par vidéo. Et voilà, et ça va les aider à aider au parrainage ou par exemple offrir un cadeau. Je pense là, j'ai terminé là pour aujourd'hui pour cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un max de j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Surtout, je vous fais confiance, allez-y sur le site, essayez d'aider ces enfants qui en ont le plus besoin. Et ben, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao!